Bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez une agréable journée. Il est 17h et 20 minutes. J'espère que le confinement chez vous se passe bien. Ben, dites-le moi en commentaire comment que ça se passe. Et ben, ceux qui ont arrêté le boulot, ben, vous me le dites aussi. Ceux qui vont reprendre ou que sais-je, et ben, vous me le dites aussi. On est pour ici pour une vidéo, pour un DIY pour les enfants. Donc, comment faire un Père Noël avec un CD, tout bête CD, il en faut deux CD. Donc on va commencer, je vais pas tarder. En fait, il vous faut deux CD comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. Deux CD, hein, voilà. Voilà, des deux CD, vous n'avez pas besoin et tout. Si vous n'en avez pas, vous avez des nouveaux, ben vous prenez deux nouveaux et puis vous gardez Père Noël. Deux CD, et sur ça, vous allez me faire deux découpes dans les feuilles de chez Action, le bloc de chez Action, hein, pour tracer bien le DVD. Mais avant, vous mettez le fil pour suspendre, voilà, comme ceci. Vous faites deux côtés pour avoir le visage, et derrière bien sûr, voilà, vous le collez. Je vais vous montrer. Donc pour le deuxième, c'est pour le corps, on va le dire ainsi. Mais moi, j'ai pailleté avec du vernis parce que j'en avais pas de pailleté. Celles qui veulent faire avec pailleté, vous le faites en pailleté. Que si vous avez directement du pailleté, vous l'utilisez. Mais moi, j'ai rajouté du vernis. Voilà, donc le deuxième CD, j'ai déjà collé la partie A, ça. Il vous faut les deux yeux mobiles. Bah, ceux-ci ne sont pas mobiles, hein. Ils sont, je ne sais plus comment on dit. Il y a un nom spécifique, mais enfin, bon, bref, vous aurez compris. Une moustache, que vous faites comme ça, vous le prédécoupez, hein, voilà. Le nez, il va se mettre comme ceci pour les enfants. Je trouve que c'est amusant. Et puis voilà, avant Noël, faire deux, trois petites crayons comme ceci. Et alors, pour la ceinture, vous coupez en fonction, bien sûr, comme ceci. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Et la boucle, pour coller après dessus. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut aussi, bien sûr? Il vous faut des petites boules pour former. Ben, c'est quand déjà des boules Watt, parce que moi, j'ai pas trouvé. Ben, vous les aplatissez hein, pour former des boules. Voilà. Pour faire la barbe. Et le bout du chapeau. Le chapeau, c'est comme ceci. Je ne l'ai pas été aussi. En fait, ce que vous faites, donc vous prenez une feuille, une bête feuille. Vous prenez votre demi-cercle, vous faites comme ceci. Voilà, moi j'ai pris le CD. Hein. Et après, vous rajoutez ça correctement. Et puis, vous découpez bien pour dire de faire un petit chapeau de Papa Noël. Qu'après, je vais vous montrer quand ce sera fini. Il y aura le bout. Le bout, ça vous verrez par vous-même. On va commencer. Moi, j'ai collé d'abord à la colle normale, mais aussi pour aller un peu plus vite, j'ai pris colle chaude. Donc, la colle normale, bien sûr, si je fais en vidéo, c'est pour aller plus vite. La colle normale, c'est nickel, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le visage. Bien sûr, il y aura une petite marque parce que vous allez mettre du... ou vous mettez un truc plus fin, satin et tout. Voilà. On va mettre la colle chaude dessus. Mais je vais vous rabaisser ça dessus pour ne pas voir mon visage. Voilà. Voilà, 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 voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc... il y a un œil qui est collé dessus, ça ne faut pas. Je vais vous mettre la colle chaude. Voilà. Parce que logiquement, bon, il faut la colle un peu plus fluide pour pas que ça laisse des marques. Voilà. Vous prenez. Hop. Voilà. Comme ceci. Hein. Vous voyez. Toup. Je fais la colle chaude, donc hein, ça dit et what. Pour les enfants, je trouve que c'est génial. Après, ce qu'on fait, on vient coller le chapeau. Donc, bien, il faut bien le recentrer. Hein, regardez. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous mettez la colle ici, ce qui est l'emplacement ou ce qui est le trait, ou alors ici. Vous mettez une pointe de colle tout le tour. Voilà. Il tient bien. Vous le fixez. Bien au milieu. Voilà. Voilà, voilà. Regardez. J'espère que vous voyez bien les filles. Hein. Voilà. On va mettre les petits yeux, le moustache et le nez. Regardez. Voilà. C'est pas compliqué, hein, je vous assure, les filles. Là, il faut vraiment pas être pro pour faire ça. Hein. On va mettre les petits yeux. Un ici. Voilà. Et l'autre, ce qu'il est ici. Le deuxième petit œil, on met une pointe de colle chaude, hop, ici,
regardez. Voilà. Après, la moustache. Ça, vous le découpez, vous faites vous-même. Voilà. Moi, j'ai fait des traces derrière. C'est pour ça que j'ai retourné dans l'autre sens. Voilà. Les petites pointes de colle au milieu. Moi, je mets au milieu. On va le placer correctement ici. Voilà. On va mettre le nez. C'est un tuto, je vous dis, les filles, vraiment pour amuser les enfants. Hein. Voilà. Regardez. Voilà. On va installer la barbe. Vous allez me dire, j'aurais pu faire le corps. Ben oui, pourquoi pas. Non, je vais faire la moustache. Non, je vais faire le corps. Donc, je mets de la colle chaude tout autour du disque, vous voyez. Puis vous venez coller la deuxième partie du corps. Moi, j'ai pris mes devants. Hein. Voilà. Voilà. Vous l'ajustez bien. Regardez, hop, hop. Vous voyez pourquoi j'ai mis du vernis, hein, pailleté. Ça, c'est plus joli, ça fait plus fête. Puis, vous allez prendre votre petit bonhomme. Vous allez déjà le coller, donc, à peu près ici. Ouais. Donc, un demi-cercle. Vous faites un demi-cercle, hein, vous prenez le CD, vous tracez, mais bon, on n'est pas stupide. Donc, on va faire ça. Un peu de colle. On va le souder. Voilà. Hop. On va le souder, le petit papa Noël. Voilà. Voilà. C'est trop mignon. Regardez. Voilà. Vous voyez, ça donne comme ceci derrière. Hein. Hop. Hop. On va installer maintenant la petite barbe. Donc, ça, c'est sur le bonnet. Hein. Je vais mettre ça sur le bonnet. Que vous voyez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. On va étendre un petit peu. Hein. C'est un Papa Noël, je suis Papa Noël. Hein. Voilà. Alors, on va installer la petite barbe et je vais regarder avec vous toutes les petites bouloches. Ça, je vous montrerai après. Hein. Faut que ce soit quand même un petit peu plus bouboule et que je me souvienne un petit peu comment j'ai départagé ça. Je vais vous montrer ça. Encore une petite boule ici. Ouais. Une petite boule. Donc on va mettre les pointes de colle. On va se tromper. Voilà. Bon, j'espère que les enfants, ça va les amuser. Je pense que oui. Hein. C'est un DIY. C'est pas un truc. On a parlé de la cucu. Eh. Non, c'est pas chez moi ça. Voilà. C'est pour amuser les enfants pendant le confinement. Je trouve que c'est génial. Ouais, même trop génial. Bon, allez, on va mettre ça. Que je me rebrûle pas comme l'autre fois parce que c'était pas amusant. Hein. Oh non. Ouais, pas amusant du tout. Ouais, je crois que la colle, je vais mettre directement sur, on dirait sur papier parce que ici, c'est vrai que ça va pas comme ça. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer ça de suite. Regardez. Trop mignon, hein? Regardez-moi ça. On va mettre la petite bouboule sur le chapeau. Voilà. Regardez, ça commence à ressembler à un beau petit Père Noël, hein, franchement, les filles. Regardez-moi ça. N'était pas mignon? On va continuer la barbe. Donc, 3. 1. Toujours des petites boules. Hein. Si vous avez déjà des petites boules préformées, bah, tant mieux pour vous. C'est même mieux. 2. Une troisième boule ici. Hop. Voilà. Regardez, on va mettre la dernière rangée, l'avant-dernière. C'est presque fini, les filles. Vous voyez comme c'est facile? Ah bah oui, quand j'ai vu ça, je dis pourquoi pas le partager avec mes copinotes. Et ben voilà, c'est faisasse. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà les filles. Un beau petit Papa Noël.
Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Vous aurez pu rajouter des bras et tout ça, hein, ça oui. Mais j'ai oublié la ceinture, j'ai fait une bêtise, les filles. J'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. Ça, ça arrive, ça va aller de la vidéo. On va le mettre. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et je ne retrouve plus ma ceinture. Excusez-moi. Mais mince alors. Allez là, ça va. J'ai fait une bêtise, les filles. Une grosse bêtise. Bon, c'est pas grave. Hein. On va rectifier le tir. Voilà. On va arranger ça de suite. Voilà. Hop. Ça, c'est plus haut, logiquement. Voilà. La petite ceinture. Ben oui, il fallait faire mettre la ceinture avant. Hein. Ben écoutez. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Je suis désolée, les filles. Comme quoi. Allez, on va remettre ça d'aplomb. Regardez. Donc, on va refinir la barbe. Logiquement. Je suis désolée. Elle ne va pas jusque-là. Voilà. Un peu de barbe. Hop. Je remets bien le petit pompon aussi. Le préformé. Allez, on remet ça. Hop. Je reboule. Petite bouloche. Ici. Je vais mettre moins de watts. Ben non. Voilà. J'ai mis moins de watts. Voilà. Petite barbe. Pas besoin d'en avoir une grande, grande, grande. Voilà. Voilà la fille. J'ai dû corriger. Je suis désolée. Voilà. Ah ben ça donne ceci. Hein, regardez. Donc, celles qui ont des idées et tout ça, ben, faites-le pour les enfants, hein, surtout qu'avec le confinement, c'est pas toujours agréable. Voilà. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Commentez, likez, et voilà. Ici, j'ai mis un peu de colle. Un petit peu. On va l'enlever. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. J'avais vernis, heureusement. Ça fait moins de dégâts. Voilà, regardez. Et vous pouvez mettre une petite clochette. Moi, c'est ce que je veux faire. J'ai des petites clochettes et je n'ai pas mis ça avec moi. Ça aurait fait gling, 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 gling. Voilà, vers le haut. Ici, je mettrai une petite cloche. Et gling, gling. Voilà. Et ben voilà, c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, likez, partagez ce que ben, vous en dites. Hein, je ne vous oblige pas. Voilà, ça, c'est fait. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, vous avez des petites bougies comme ceci. Voilà, et que vous n'aimez pas, et ben moi j'ai trouvé une petite chose comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Tant qu'à faire. Vous voyez les petits collants? Et ben j'ai fait, ben je vais vous montrer ce que ça donne. Moi j'ai fait ça, j'ai mis le petit diamant dessus. Et je trouve que ça fait un plus pour les fêtes. C'est des bonnes idées. Je couperai après hein, les filles. Voilà, vous mettez ça, et voilà. Ça fait un petit plus. J'en ai déjà préparé au-dessus. Attendez. Hein. Voilà. Voilà, regardez. Un petit diamant, ça va, ça fait joli. Je vais couper après ici, vous voyez. Je vais commencer ici, puis je vais recouper un petit morceau. Et voilà. Et ben voilà. Un petit truc en plus pour vous, pour les fêtes de fin d'année, avec peu de sous. Tout simplement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. À une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bien sûr qu'il le voudra. J'ai mis mes lunettes. Voilà. Passez une bonne soirée. Veillez bien sur vous. Protégez-vous toujours bien. Lavez les mains, le masque, lavez les mains, les masques, et ainsi de suite. Sur ce, je vous laisse. Bye bye. À une prochaine vidéo.